Les cris tremblotants. Attile. Ouais. J'ai senti une pointe qui me serrait là. La glotte. Ouais, la glotte. Ben, mais c'est cela, la glotte. Virginie. Oui, Virginie. Virginie. Messieurs, comme voulez-vous. Voyons, Virginie. Je ne suis pas Virginie. Tu n'es pas Virginie. Je m'appelle Blanche et je vous prie de laisser vos mains dans les ténèbres. Blanche, vos seins vous trahissent. Ne les touchez pas, monsieur. Je hurle. Le défilé du millénaire, hein? Le défilé du millénaire. J'ignorais que les millénaires s'ébissassent et qu'ils défilassent. Un seul homme, une seule porte, une seule fenêtre, une seule cave, beaucoup de lapins. Je n'entends rien à vos rébus. Reviens-toi, Virginie. C'est Adil qui te parle. Adil, ta gamme toute puissante. Adil? Connais pas. Et c'est pas une raison suffisante pour me tutoyer par les musiques. Elle est toute nue complètement folle. Oh, monsieur! Je note la grossièreté de vos propos. Si vous continuez à pousser plus avant les dérèglements de vos sens, j'appelle mon mari. Votre mari? Eh bien, parfaitement, mon mari. Le gardien du soir que vous voyez surgir là-bas entre deux bégonias, il est borgne, manchot, unijambiste. Et je suis l'épouse de sa jambe de bois. Une seule jambe! Un seul bras, un seul cœur, un seul poumon, un seul rein, une seule tête, un seul œil, un seul sifflet, une seule chaussure, une seule odeur et une seule guerre. De ce pas, je vais le rejoindre. C'est l'heure à laquelle j'astique ses décorations. Virginie. Blanche, pas Virginie. Virginie est ma sœur jumelle que je viens d'étrangler entre vous deux sur ce banc. À bon entendeur, salut. Virginie. L'inconstance des femmes. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, merci d'applaudir mon frère jumeau, Fouet. Et toi, qu'est-ce que tu fous? Je joue mon spectacle. T'es censé te marrer maintenant. Il essaie de se faire passer pour moi. Excusez-moi, j'en ai pour deux petites secondes. Deux petites secondes. C'est bon, je suis pas bête. J'avais compris, mais j'ai pris goût pendant la répète. J'ai envie, je peux rester avec toi, s'il te plaît. Mais non, s'il te plaît. C'est pas possible. Tu restes là. Tu restes là, t'as compris? C'est moi, je t'appelle papa. C'est moi qui a fait ça. La dé. Fini la plaisanterie, t'as compris? T'as compris? De toute façon, je m'en fous, ils font même pas la différence. Je t'en ai très loin. Tu m'en as mis? Hein? Oui, oui, mais c'est pas qu'à moi. Le spectacle, c'est Adil et fou! C'est pas Adil! Des fous, ça sonne bien en plus. Bon, écoute-moi, tu restes là maintenant, t'as compris? T'as compris? Moi, Adil Zerbit, je vous ferai rire toute la soirée. Moi, Adil Zerbit, je vous rembourserai toutes vos places. Je suis à droite. Le changement, c'est maintenant. Moi, Adil Zerbit, je vous offrirai toutes les pizzas de votre choix au familial sur présentation de votre billet.
moi, de Covid, je vous offrirai 4 jeans Levi's. Oui, monsieur, 4 jeans Levi's pour l'achat, s'il vous plaît, d'une pizza au familial. J'ai un colis à remettre à Adil Zergit. Prince. Il a dit Prince. C'est un paquet de courrier que vous avez oublié à Paris, c'est votre agent qui m'envoie, je vois que vous êtes un petit peu pris. Donc je vous ai listé le contenu des lettres, ce sera rapide. Allez, je vous en prie. C'est dans ce sens. Alors, il y a une lettre de votre grand-père. Il y a également un bon de réduction de la part de votre agent dans le magasin de prêt-à-porter de votre choix, je vous conseille Big Apple. Il y a également une lettre de remerciement de votre voisine. D'autre part, j'ai un ordre de remboursement de vos dettes de la part du tribunal de grande instance de Paris. D'autre part, j'ai une lettre de réclamation des comédiens que vous avez placés dans les 4 premiers rangs pour faire croire qu'il y avait du monde. C'est une erreur, c'est bien dit. Ensuite, j'ai une lettre vous rappelant que vous avez rendez-vous avec votre contrôleur fiscal et sa fille strictive, à qui vous devez 75 000 euros de pension alimentaire. Et pour finir, j'ai une lettre de monsieur Luc Besson. Ah, oui, oui, c'est pas moi. On me donne la vie tous les deux. Bon. La lettre pour Fouette Zerbit, pardon. Quoi? Oui. Fouette, t'as écrit Luc Besson? Non. Oui. Qu'est-ce que ça dit? Ça dit, je cite, « Salut Fouette, c'est Luc, j'ai réfléchi à ta proposition et je te prends pour mon prochain gros coup. » J'ai réfléchi, d'après ce que tu m'as dit, Adil n'est pas du tout à la hauteur. Si tu veux en parler, je t'attends dans mon bureau le dimanche 8 à Paris à 10h. Bisous Luc. Mais dimanche 8, c'est demain? Oui. Attends, qu'est-ce que tu m'as écrit? Mais je lui ai écrit la vérité, que je faisais mieux les pizzas que toi. Que Luc Besson a voir avec les pizzas. Il s'agit de Luc Besson AI, le célèbre pizzaïolo, excusez-le. Ah! Moi j'écris Luc Besson, le réalisateur, le cinéaste. Ouais. Que le beau roi va arriver un jour, j'irai à Paris. Ah donc c'est vous, Adil Zergit? T'as l'air chez moi, vous êtes qui vous? Maître Calpirina, notaire à Paris, vous me devez 4000 euros d'honoraires, plus les frais de déplacement et indemnité pour une occupation d'identité. Thank you.